Analyser n'est pas difficile. C'est un match en histoire de 30 minutes. Je pense que Monaco fait un erreur qu'a donné un zéro adversaire, mais après a maîtrisé le match avec une bonne position de ballon. Mais je te jure, sans poids offensif. Après les 30 minutes, le contrôle passait pour Lyon. C'est Lyon qui passait à maîtriser les matchs, à rester avec le contrôle de ballon. Et nous, a sorti seulement une contre-attaque. Les grosses choses que cette match-là, première chose, l'attitude. Je pense que les joueurs d'AS Monaco ont essayé de donner le meilleur avec bonne attitude, bon comportement. Bien sûr, nous faisons des erreurs qui sont importantes, erreurs que nous avons appris les premiers deux buts, principalement. Mais il y a aussi la troisième chose, c'est un peu parler du poids offensif. L'équipe, il a des difficultés, il n'a pas d'impact offensif pour d'équilibrer les lignes défensives adversaires. Et aussi pour gagner un peu cette capacité de les dernières 30 mètres.